بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم يا طلاب في قناة إيكو دغاب التعبيرات إجراءات السفر les formalités de voyage إجراءات c'est les formalités إجراءات c'est le mufrad ou ijra'at, c'est le pluriel. Donc il faut avoir de quoi noter akhi. Ijra'at, les formalités, as-safar, c'est le voyage. Donc les formalités du voyage, ijra'at as-safar. Hadha huwa unwan du dars. Le titre de la leçon. Donc nous sommes à la leçon 1, ad-dars awwalu. La leçon 1, la première leçon. Huwa et ici on a de wahda al wahdatu c'est l'unité al wahdatu oula la première unité ad dars awwal la première dars wa unwan le titre c'est ijra'at as-safar les formalités du voyage nam qala mu'allif rahimahullahu nam fa qala wa kataba al kalimatu al jadida fa bada al muallif bi kalimat jadida al muallif commence débute son dars soit non chaque durus tu verras on commencera toujours par al kalimat jadida bi ma'na les nouveaux mots donc c'est à toi de réviser ou de mémoriser ces mots là vu que à chaque mufradat ou à chaque coup awalan les mufradat et en second les expressions à ta'bir donc les tests. Et c'est avec ces éléments-là, ces kalimates-là, que tu parviendras, Inch'Allah, à bien comprendre le test, Inch'Allah. Nabda'ou, si tu as de quoi noter, akhi. Sinon, c'est enregistrer le dars. On commence ici, c'est Tazkiratun. C'est le premier mot. Tazkiratun. Tazkira. Bon, le sens de Tazkira, c'est billet ou ticket. Tazkira, billet ou ticket. Mafhoum. Billet ou ticket, tazkira. Othania. Jawaz safar ou jawaz safar. Jawaz safar. Le passeport. Jawaz safar, le passeport. Jawaz safar. En troisième, Osbo'a, ça signifie semaine. Osbo'a, semaine. Nam. Ta'iratun, avion. Ta'iratun, avion. Ta'ira ou ta'iratun, avion. Nam, hajaza, yahjizu, c'est un verbe. Hajaza, yahjizu. Hajaza, ça signifie, il a réservé. Hajaza, il a réservé. Hajaza makanan, fimithal. Il a réservé. C'est le verbe qui signifie réserver. Hajaza, il a réservé, Yahjizu, il réserve. Yahjizu Hamidun Makana. Hamid a réservé sa place. Hajaza, il a réservé, Yahjizu, il réserve. Donc le sens du verbe Hajaza, Yahjizu, signifie réserver. Donc en langue française, on dira réserver. Hajaza, Yahjizu, réservé. Nam. Hajaza, Yahjizu, réservé. Wa safarun, safarun signifie voyage. Safarun, voyage. Bref, le titre du dars c'est Ijra'at safar, les formalités du voyage. As-safar, c'est le voyage, et safarun, c'est un voyage. Donc, safar, voyage. Wadeh? Ok. Nam. Maintenant. Vous avez là tasallama yatasallamu tasallama yatasallamu
Donc, tasallama, yatasallamu, c'est un verbe qui signifie réceptionner ou recevoir. Réceptionner ou recevoir. Tasallama, yatasallamu. Recevoir ou réceptionner. Après cela, on a istikhraj. Istikhrajun ou istikhraj, ça signifie, et c'est l'action d'extraire. Donc, l'action d'extraire. Istikhraj, c'est dans l'action d'extraire, donc de retirer une chose. Le fait que tu retires une chose, quelque chose comme passeport ou aller retirer quelque chose dans la banque, aller ressortir ta carte nationale d'identité, on dira istikhraj, donc le fait de sortir ta chose. Donc, extrait, ah, ça vient du verbe kharaja, donc sorti, sorti, kharaja. Istikhraj, c'est le fait de sortir la chose, d'extraire. Nam? Nam, en second, vous avez là, akmala, akmala, yukmilu. Akmala, yukmilu. Akmala, yukmilu, bimana, compléter. Ou achevé. Akmala, complété. Alors, il a complété. Yukmilu, il complète. Donc, l'ensemble Akmala, Yukmilu, en langue française, on dira, on traduira par compléter ou achevé. Ou rempli. Compléter, rempli ou achevé. On dira Akmala, Yukmilu. Après Akmala, Yukmilu, on a Ikmal. Ikmal, c'est ce qu'on entend par masdar. Masdar, c'est un nom qu'on extrait du verbe, mais qui n'est pas lié au temps. On dit masdar, c'est-à-dire on peut traduire par racine ou origine. Donc, si je prends l'exemple de Akmala, Yukmilu, compléter, son masdar, c'est Ikmal, qui signifie complètement ou achèvement. Donc, le fait de compléter le mouvement, l'action de compléter, on dit complet. Bref. C'est comme l'adverbe. Donc, on dira ikmal, c'est-à-dire que l'achèvement. Non. En second, là, on a ijraat. Ijraat signifie, bof, c'est word. On a là comme titre ijraat ou safar, les formalités de voyage. Donc, ijraat, c'est les formalités. Ijraat, formalité. Ijraat, formalité. Non. Après Ijra'at, on a Ta'shiratun, Ta'shira, Ta'shira ou Ta'shiratun, ça signifie visa. Ta'shira ou Ta'shiratun, visa. Nam? Non, visa. Visa, passeport, visa. Donc visa, Ta'shira, visa. Ta'shira. Après visa. Tashira, on a khourouj, khourouj, nam. Jawaz safar, le passeport, jawaz safar, le passeport, et tashira, c'est le visa. Jawaz safar, le passeport, tashira, visa. Ou khourouj, on a là khourouj, akhi. Khourouj, c'est la sortie. Khourouj, c'est une sortie. Khouroujoun, une sortie. C'est le masdar du verbe kharaja, yakhrouju. Kharaja, yakhrouju qui signifie sortie. Khourouj, c'est une sortie. La sortie, donc une sortie. Ou de khoulou. Non, une sortie. De khoul. Quand on dit makharij ou khourouf, makharij, c'est le pluriel de makharaj. De Makharij ou Khouroujoun, c'est les mêmes personnes, donc les mêmes éléments. On a Dukhoul. Dukhoul, c'est l'opposé de Khourouj. Dukhoul, c'est la rentrée. Une entrée. Dukhoul, une entrée. Ou Khourouj, une sortie. Khourouj, une sortie. Dukhoul, une entrée. Non?
On a istilam, 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 bima'na, donc istimal, istimal, il est aussi pareil comme, il est pareil, istimal, il est aussi pareil comme l'élément-ci, istilam, il est comme cet élément-ci, nam, vous voyez? Nam, istilam a le même sens que tasallam et tasallam. Donc, istilam, c'est recevoir. Istilam, c'est recevoir ou réceptionner. Nam? Nam. Nam, tu vas chercher un cahier. Donc, quand tu vas comprendre, tu vas écouter, réécouter l'enregistrement, Inch'Allah, tu vas chercher à avoir un cahier pour mentionner tous ces mots fradat, pour ne pas les perdre. Nam? Ok, d'accord. Donc, on continue. Ici, on a tadhakir. Afwan, je m'excuse. Avec la manipulation, on a là tadhakir. Tadhakir, c'est le pluriel de tadhkira. Le premier mot, qu'on a vu était tadhkira. Le voilà, tadhkira, premier mot qui signifie billet ou ticket. Donc, tadhakir, c'est le pluriel de tadhkira. Tadhakir, tadhakir, c'est les billets. Des billets ou des passeports, afwan, subhanallah, des billets ou des tickets. Tazakir, c'est le pluriel de Tazkira. Tazkira, billet ou ticket. Tazakir, billet ou ticket avec S, dans le pluriel de Tazkira. Wade? Ok. Maintenant, Antuma. Antuma, c'est vous deux. Antuma, c'est le djel, ça signifie vous deux. Donc, vous deux, deux personnes. Antuma, vous deux. Antuma, vous deux. Antuma, vous deux. Masculin comme féminin. On dira Antuma. Antum, c'est le masculin fakat. Antum, vous. Antum, vous au masculin. Donc, vous, Antum, vous deux, Antuma. Même si vous êtes femme ou homme, on va utiliser toujours le même mot. Antuma, 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 Taliban. On dira aussi Antuma, Talibatan. Donc, vous avez là Antunna. Antunna, c'est le vous, mais au féminin. Antum, c'est le masculin. Antunna, c'est le féminin. On dira Antunna Talibatun. Antunna Talibatun. Vous êtes des étudiantes. Donc, Antunna, vous, au féminin. Antum, masculin. Antunna, féminin. Qui signifie vous. Ohuma. Ohuma, c'est eux. Ou il, afwan. Huma, c'est le duel. Huma, c'est le duel qui signifie eux deux. Eux deux. Ça peut être la femme comme ça peut être les deux hommes. Donc on dira Huma, Taliban. Donc eux deux sont deux étudiants. C'était deux étudiants ceux-là, les deux-là. On peut aussi dire Huma, Talibatani. Donc Huma, c'est le duel, mais avec le sens de eux. Eux deux. Hum. C'est le pluriel qui signifie il. Il au pluriel. Afwan, il au pluriel, oui, et au masculin. Donc, hum, tulabun. Hum, c'est le masculin. Tulabun, c'est aussi un nom masculin. Le féminin de hum, c'est hunna. Hunna, c'est elle. Elle avait S. Hunna. Hunna. Et. On peut dire hunna. Non, si je prends Mudarrisa, il dirait Runna Mudarrisatun. Runna Mudarrisatun. Elles sont des enseignantes. Donc, vous avez là le second mot. Istakhraja yastakhriju. Istakhraja yastakhriju. C'est un verbe. Istakhraja yastakhriju. Ça vient de cet élément-ci. Vous avez là, on a vu en premier, bref, sinon Al-Mu'alif, il a classé, je ne sais pas comment lui l'a classé. Istakhraja, ici, yastakhriju, vous voyez. Vous avez vu son masdar? Son masdar, c'est istikhraj. Donc, istakhraja, yastakhriju,
Ça signifie extraire, donc retirer la chose. Extraire, istakhraja, yastakhriju, c'est extraire, ressortir la chose. Et istikhraj, c'est l'action de faire sortir la chose. C'est comme un nom qui est mu'rab et al-i'rab. Al-i'rab, c'est l'action de faire, d'analyser. Donc, d'analyser un nom qui est mu'rab. Mu'rab, c'est un nom qui a subi al-i'rab. Le nom qui est mu'rab, il a subi al-i'rab. Et al-i'rab, c'est l'action de changer, c'est l'action de changer les dernières lettres sur les noms ou sur les mots. Quand je dis al-mudarrisu, al-mudarrisa, al-mudarrisi, le fait que je balance les voyelles, mudarrisa, mudarrisi, mudarrisu, on dit al-i'rab, le nom qu'on change sa dernière lettre, mudarrisu, mudarrisa, mudarrisi, on dit que le nom mudarris, il est mu'rab. هكذا الاسبريسون استخرج يستخرج استخرج بمعنى استخرج استخرج il a extrait يستخرج il extrait استخراج c'est aussi c'est le master qui signifie et il a fait ressortir il a fait ressortir la chose استخرج ou استخراج عفوا c'est compris أخي نعم Ok, Naam, Al-An. Al-An. Al-An, Mu'alif, il a écrit Al-An, Al-Mu'alif. Al-An, ça signifie maintenant. Al-An, maintenant. Sanabda ul-An, Adarsa Jadid. On dit Sanabda ul-An, nous allons commencer maintenant. Al-An, maintenant. Sanabda ul, nous allons commencer Adars, une leçon, ou la leçon Adjadid, la nouvelle leçon. Donc, Al-Ana, ça signifie maintenant. Al-Ana, maintenant. Donc, Al-Ta'lim, c'est ce que nous sommes en train de faire. Al-Ta'lim, au fond, Ta'lim. On a appelé, c'est pas, il n'y a pas Al, c'est plutôt Ta'lim. Ta'lim qui signifie enseignement. Ta'lim, enseignement. Al-Ana, maintenant. Ta'lim, enseignement. Ta'lim, enseignement. Ta'lim, enseignement. Al-an et ici vous avez là la qui signifie non la qui signifie non la non son opposé c'est na'am la non et inshallah ta'ala vous avez là en bas non ici on a tarakibu nam al-alif il a dit tarakibu nahwiya ou sarfiya bref ça ce sont ces éléments-ci inshallah nous allons les voir dans le dars on l'a al-malif dit si on parle exemple de ce mot ci cette phrase ci il dit antuma tasallamtuma tadhakira safar donc vous deux vous avez reçu les billets de voyage fa inchallah on verra tout ça dans dars dans le texte il dit nam ila akhiri ila akhir donc ila c'est ila akhiri ça veut dire etc il a akhir vous avez là na'am na'am qui est l'opposé de la j'ai bien précisé que si on te pose une question tu peux répondre par na'am ou par la na'am c'est oui et la c'est non la négation la non na'am oui hal anta talibun jadid est-ce que tu es un nouveau étudiant tu diras na'am oui je suis un nouveau étudiant ou la ana Al-Talib Al-Qadim, je suis l'étudiant, l'ancien. Nam. Noua Silou, tu as compris, Inch'Allah, on continue. Nam. Bref, tout ça, Inch'Allah, tu verras dans le das. Ici, Al-Mu'alif dit Al-Ta'bira, l'expression Wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Ça, c'est Karate Fas Miséricorde, Wa Rahmatullahi, la miséricorde d'Allah, wa Barakatuh, ainsi que sa bénédiction. Inch'Allah, si Allah le veut. Inch'Allah, si Allah, Inch'Allah, si Allah le veut. Non. Fal'an, هذا هو الحوار بين محمود ورشيد. Al-Hiwar, ça veut dire dialogue. Al-Hiwar, dialogue. Quand il dit Hiwar, il faut savoir que ça signifie dialogue. Donc, dialogue entre deux personnes minimum. Toi et moi, on va faire Al-An. Al-Hiwar et l'échange, le dialogue. Donc,
وإن شاء الله أنا محمود وأنت رشيد. دونك أون فا فيغ الحوار. موا سيري محمود إي سوا سيري رشيد. نعم. محمود إيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو ريبون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت. Quand on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu vas répondre à la même chose. Tu vas aussi dire Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est Assalam, passer Assalam. En langue arabe, on appelle ça At-tahiyya, la salutation. At-tahiyya, c'est la salutation. Ou ta'aruf, ce qu'on va faire par la suite, c'est At-ta'aruf. Et Inch'Allah, on va revenir. On va aussi revenir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu rencontres un frère, awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est le frère de répondre wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam. Nam. Mahmoud, Mahmoud il dit, Mahmoud, le frère Mahmoud, c'est moi, il dit إدي متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ إدي متى نعم؟ إدي الفرع متى تسافر؟ كم تسكتوا واج متى سكان؟ متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ كم تسكتوا واج pour le royaume de l'Arabie Saoudite. Donc j'essaie un peu de traduire mot à mot pour que tu puisses mieux comprendre. Akhi, faut que tu profites. Non. Awalan ici, al-mu'allif dit mata. Mata, ça veut dire quand. Mata, quand. Tusafiru, c'est le verbe safara, yusafiru. Tusafiru, tu voyages. Quand est-ce que tu voyages? Il a pour ouvert. Al-mamlakati arabia, le royaume de l'Arabie. Al-mamlaka, ça veut dire le royaume. Mamlaka. Al-mamlaka, le royaume. Al-mamlaka, le royaume. Al-arabiyata, c'est wazi. L'Arabie, l'Arabie. As-Saoudiyata, Saoudiyya, c'est l'Arabie Saoudite. Mata tusafiru ila al-mamlakati al-arabiyya de Saoudiyya. Quand est-ce que tu voyages vers le royaume de l'Arabie Saoudite? Ou quand est-ce que tu voyages pour le royaume de l'Arabie Saoudite? Nam. T'as compris la traduction? Nam. Rachid dit, qu'est-ce que Rachid dit, Akhi? Rachid dit ceci. Rachid dit quoi? Qu'est-ce que Rachid dit? Taïb. Il dit fil usbu'i, fil usbu'i, fil usbu'i al-qadim, insha Allah. Fil usbu'i al-qadim, insha Allah. Nam. On essaie un peu de faire les chahles. Nam. On essaie un peu de décortiquer. Faqala Rachid, fi, ça veut dire dans. Fi, c'est dans. Al-usbu, c'est la semaine. On a vu que usbu, c'était semaine. Fil usbu'i, la semaine, dans la semaine. Al-Qadim, c'est ce qui vient. Al-Qadim, c'est ce qui vient. Al-Qadim, c'est ce qui vient. Donc, fil usbu et Qadimi, dans la semaine prochaine, Inch'Allah, si Allah le veut. Donc, Mata tusafiru ila al-mamlakati arabiyati saoudiya, quand est-ce que tu vois pour le royaume de l'Arabie Saoudite? Le fait dit, fil usbu et Qadimi, Inch'Allah, la semaine prochaine ou dans la semaine prochaine, si Allah le veut. Nam? Mahmoud il dit Nam wa kayfa tusafiru, wa kayfa tusafiru, il dit wa kayfa tusafiru, c'est le frère Mahmoud qui réplique en disant wa, ça veut dire wa kayfa, wa kayfa tusafir, wa et kayfa, comment, ou kayfa, comment et comment tusafir, tu voyages, et comment tu voyages, ça veut dire par quelle voie est-ce que tu vas prendre pour le voyage, par quelle voie emprunteras-tu pour le voyage.
وكيف تسافر. Pour dire à quelqu'un comment est-ce que tu vas voyager, tu diras وكيف تسافر. Donc s'il va voyager à pied ou il va voyager à vélo ou bien il va voyager en voiture ou en avion ou en train ou en bus, tu diras وكيف تسافر. وكيف تسافر. نعم نعم إدي بطائرة 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 بعد بطائرة 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 بعد إكمال إجراءات السفر بطائرة بعد إكمال إجراءات السفر بطائرة بعد إكمال إجراءات السفر بطائرة أن avion بطائرة أن avion إدي أخي نعم محمود عفوا رشيد رشيد دي دي بطائرة دي par avion بي ça veut dire par بي ici c'est par بي par بطائرة par avion بعد après بعد c'est après إكمال après avoir complété بعد إكمال après avoir complété Ijra'at et Safar, les formalités de voyage. On a vu que Ijra'at, c'était les formalités. Ijra'at, c'est les formalités. Safar, c'était bien wadé, voyage. Donc, il dit, Bita'ira, par avion, Ba'da Ikmali, après avoir complété ou achevé, Ijra'at et Safar, les formalités de voyage. Bita'ira, Ba'da Ikmali, Ijra'at et Safar, par avion, après avoir complété les formalités de voyage. نعم maintenant le frère Mahmoud il dit هل حجزت il dit هل حجزت ça veut dire est-ce que tu as réservé هل حجزت est-ce que tu as réservé هل ça veut dire est-ce que هل est-ce que حجزت tu as réservé Hal Hajasta, est-ce que tu as réservé? Est-ce que tu as réservé ta place? Hal Hajasta, est-ce que tu as déjà réservé? Nam? Hal Hajasta, est-ce que tu as déjà réservé? Nam? Donc, Rachid dit. Rachid il dit qu'est-ce que Rachid dit Akhi? La lam atasallam lam atasallam la oui non lam atasallam tazkirata wa ant la lam atasallam tazkira wa ant لا لم أتسلم التذكرة وأنت نعم إدي إدي لو راشي لو فرا راشيد راشي إدي لا نعم لم أتسلم نعم إدي لا نعم لم أتسلم ça veut dire je n'ai pas reçu لا نعم لم أتسلم je n'ai pas reçu التذكرة je n'ai pas reçu le billet la non lam atasallam tazkirata la lam atasallam tazkirata non je n'ai pas reçu le billet wa ant et toi non je n'ai pas reçu le billet et toi la lam atasallam tazkira wa ant non je n'ai pas reçu le billet et toi non le frère répond Mahmoud il dit en répliquant au frère Rachid il dit نعم تسلمتها واستخرجت جواز السفر نعم تسلمتها واستخرجت جواز السفر نعم تسلمتها واستخرجت جواز السفر نعم pour la traduction
Pour la traduction, le frère Mahmoud, il dit Naam. Il dit oui. Oui, tasalamtuha, je l'ai reçu. Tasalamtu, je l'ai reçu. Et aha, ça signifie la, le passeport, le billet. Tasalamtu, j'ai reçu ha, le billet. Donc, tasalamtuha, oui, j'ai reçu le billet. Ou je l'ai reçu. Wastakhrajtu, et j'ai fait la demande. Donc, j'ai ressorti. Wastakhrajtu, jawaz safar, et j'ai demandé, et je, ou soit j'ai fait sortir mon passeport. Wastakhrajtu, jawaz safar. Naam, oui, tasalamtuha, je l'ai reçu. Wastakhrajtu, jawaz safar, et j'ai sorti mon, mon passeport. هكذا قال محمود لأخيه ولزميله رشيد فقال رشيد ماذا أقول رشيد ماذا قال رشيد كيف رشيد أدي نعم سأذهب فقال سأذهب الآن سأذهب الآن لاستلامها 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 donc pour faire achat enfin le frère dit il dit le frère Rachid il dit ça azhabu quand tu non, on dit ça azhabu j'irai ça azhabu donc je vais n'est pas encore allé ça ça signifie je vais ça c'est l'élément du futur quand tu vois ça avec le verbe au mudari au présent ça signifie ça traduit au futur donc j'y vais on j'y vais al-an maintenant je vais aller maintenant je vais aller maintenant Al-ana, c'est maintenant, je vais aller maintenant. L'istilamiha, li, c'est pour, li, c'est pour, li, pour stilamiha, pour le réceptionner, pour le recevoir. Sa adhabul ana, l'istilamiha. Je vais aller maintenant pour le recevoir. Sa adhabul ana, l'istilamiha. Je vais aller maintenant pour le recevoir. C'est comme ça la parole du frère Rachid. Et Mahmoud dit, en conclusion, pour finir, il dit, Mahmoud, Il dit Mahmoud, Amma Anna, non Mahmoud, il dit Amma Anna, Fasa Okmilo Ijraati Tashirati Dukhuli wal Huruj. Amma Anna, Fasa Okmilo Ijraati Tashirati Dukhuli wal Huruj. Amma Anna, quant à moi, Sa okmilo ijra'ati ta'shira, je vais compléter les formalités du visa à dukhul de la rentrée ou le khurouj de la sortie. Nam, on essaie un peu de décortiquer akhi pour la bonne compréhension. Amma, ça veut dire quant à moi, kanta, amma, kanta, amma, kanta, ana, quant à moi, amma, kanta, ana, moi. Donc, Amma, Anna, quant à moi, Fa, quand tu vois Amma, il faut savoir que le verbe va porter la Fa. Amma, quand il y a Amma, il y a forcément la Fa, Inch'Allah, sur le verbe à venir. Amma, Anna, quant à moi, Fa, Sa, Okmilu, je vais compléter Sa, Okmilu, c'est que je vais compléter ça, on a bien traduit que c'est la particule du futur. Amma ana face à Okmilo, je vais compléter Ijraat, les formalités du Tashira, du visa, les formalités du visa, des Dukhuli, de la sortie, à la fois de la rentrée, de la visa d'entrée, ou le Khuruj et de sortie. Amma ana, quant à moi, face à Okmilo, Ijraat, Tashira, Dukhuli, ou le Khuruj. Amma ana, quant à moi, face à Okmilo, je vais compléter. Ijra'ati, les formalités de Ta'shira, de Dukhuli, les formalités de visa d'entrée, ou le Khuruj et de sortie. Nam, fa hadha huwa hiwar bayna Rashid wa Mahmoud.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.